seen as a producer of absolutely sublime, enduring, and alluring paintings. Other artists made careers out of just one of Picabia's ideas, but he had a new one every day. The great thing about Francis Picabia was a little bit like Picasso. Thank you.
Thank you.
He's seen as a producer of absolutely sublime, enduring, and alluring paintings. Other artists made careers out of just one of Picabia's ideas, but he had a new one every day. The great thing about Francis Picabia was a little bit like Picasso. He was really a sort of artistic alchemist. He's a rebel, he's an iconoclast, he's a thinker, he's a visionary. He's really many different artists in one. From the early works, which are impressionistic, he goes through divisionism, and then he discovers fauvism and cubism and dada, and through to the pop and abstraction of his later years. I think with time, one only has to think about contemporary artists like Jeff Koons, for example, or even John Curran, to see the weight that Picabia has had, the influence that he's had on younger generations of artists. What is truly exceptional about these two pictures is that of the different Picabias they represent, each one shows the artist with his A game. One work from the late 20s and one work from the early 40s, bringing these two into conversation shows just what a rich and meaningful artist Picabia really was. Picabia's Transparence series, which come from the mid-20s onwards, are amongst his most desirable works ever executed. They come from the period of the 1920s, where he's exploring the kind of cinematographic techniques, in a way. And in painting, he uses that to create this kind of crossfade, where overlapping imagery is brought together in this wonderful, beautiful, light, spontaneous technique. You know, if you think of the 20s in Paris, it's in a moment of joy and life and an explosion of energy and innovation. That kind of joie de vivre comes through in this painting. Picabia painted on commission for Léonce Rosenberg, a great eminent dealer in Paris in the 20s. Picabia did a number of these transparences for the apartment, of which this is definitely the central motif, the most magnificent of them all. You can see the figure of Pan with his pipes. You can see the centaur, the half man, half beast, a very classical image. You can see the female nude. The imagery comes to the fore and recedes in this sort of wonderful sense of movement, almost like a sort of musical or a dance or something across the canvas. I would define the masterpiece quality of the nude by the enduring power of its image. This nude was painted by Picabia during the war in the south of France in a very dramatic context. The availability of live models and other kind of, you know, artistic subject matter was incredibly difficult. Things like magazine photographs, and in this case, erotic imagery from erotic magazines, of course, become the subject matter. This dark background where the back is inpainted with an almost tar-like blackness, but then the body is sort of haloed in calm lighting as well. And, you know, the way that the painting has smaller accents of color, like the mouth, for example, which is that tiny application of red paint, but which is the only red in the whole picture. When you stand back from it, of course, it really grounds the facial features. Female nudes have been in art history for millennia, ultimately, but the treatment is so radically new. To see it with these kind of, you know, incredible colors and simplicity is pure Picabia. You know, this is him at his absolute best. The fact that you can see a complete sketch on the verso of this one just shows the importance that Picabia has given to this precise painting. Such a transparency has not appeared on the market since at least 20, 30 years. And this nude, there have never been such a great nude ever at auction by Picabia. So it represents a wonderful opportunity for the surrealist collectors, for modern art collectors, for contemporary art collectors. Even one masterpiece leading the surrealism and its legacy cell is a dream, but having two is something I could never have dreamed about. This is such a great moment. It's one that can't be ignored.
Surrealism to me is like a gateway into the subconscious, like a portal into dreams, where one can explore the deeper sides of oneself. Surreal images are about, for me, about bringing multiple dimensions into this third dimension. So I went to art college and I studied painting. And my final year, I discovered photography. I didn't want to just document reality. For me, reality is a little bit boring. Since then, I've been sort of chasing, like, how do I use my surreal nature in cinema or in storytelling? I use images to tell a bigger story. Surrealism covers a big spectrum of mediums. You get artists like Eve Klein, who makes images in motion by using a body covered in paint and then having that move onto a canvas. And then you get art like Hans Arp, which is more sort of collage using sculpture and paint and then collaging it together. The works of Francis Boccabbia is very inspiring because what he does is he takes all these transparencies of moments in time and puts them together to create something that's very much in motion. So it has a very cinematic feel. And also he was using cuts and fades, which is the language of filmmakers. When you create an image, it's really interesting to play with that, to play with multiple images that make up one image, multiple moments that make up a greater moment. Le Palais de la Courtisan is an image where you see some architecture in the left-hand side of the image and he split it up with a nude depiction of his wife. In the way that Magritte uses objects and environments to the juxtaposition of things to create a new image, I always lean to that just because themes like beauty and decay, I've always put those things together. And I think it's about kind of looking at the similarities of things. And if you look deep enough in the decay, there's also beauty in the way that Magritte is putting the nude on the right-hand side, which is soft central curves with the curves of the archways in the part of the left-hand side of the frame. Well, there's a beautiful quote, if the dream is a translation of waking life, then waking life is a translation of the dream. And there's something really beautiful about the circular motion of that, the idea that we take from our dreams, but we're living our dreams. It's like the veils are very thin in the artistic imagination where we can reach out and grab anything and bring it into the waking life. Thank you.
Iconoclast, he's a thinker, he's a visionary. He's really many different artists in one. From the early works, which are impressionistic, he goes through divisionism, and then he discovers fauvism and cubism and dada, and through to the pop and abstraction of his later years. I think with time, one only has to think about contemporary artists like Jeff Koons, for example, or even John Curran, to see the weight that Picabi has had, the influence that he's had on younger generations of artists. What is truly exceptional about these two pictures is that of the different Picabias they represent, each one shows the artist with his A game. One work from the late 20s and one work from the early 40s, bringing these two into conversation shows just what a rich and meaningful artist Picabia really was. Picabia's Transparence series, which come from the mid-20s onwards, are amongst his most desirable works ever executed. They come from the period of the 1920s, where he's exploring the kind of cinematographic techniques, in a way. And in painting, he uses that to create this kind of crossfade, where overlapping imagery is brought together in this wonderful, beautiful, light, spontaneous technique. You know, if you think of the 20s in
in Paris, it's in a moment of joy and life and an explosion of energy and innovation. That kind of joie de vivre comes through in this painting. Picabia painted on commission for Léonce Rosenberg, a great eminent dealer in Paris in the 20s. Picabia did a number of these transparences for the apartment, of which this is definitely the central motif, the most magnificent of them all. You can see the figure of Pan with his pipes. You can see the centaur, the half man, half beast, a very classical image. You can see the female nude. The imagery comes to the fore and recedes in this sort of wonderful sense of movement, almost like a sort of musical or a dance or something across the canvas. I would define the masterpiece quality of the nude by the enduring power of its image. This nude was painted by Picabia during the war in the south of France in a very dramatic context. The availability of live models and other kind of, you know, artistic subject matter was incredibly difficult. Things like magazine photographs, and in this case, erotic imagery from erotic magazines, of course, become the subject matter. So this dark background where the back is inpainted with an almost tar-like blackness, but then the body is sort of haloed in calm lighting as well. And, you know, the way that the painting has small little accents of color, like the mouth, for example, which is that tiny application of red paint, but which is the only red in the whole picture. And when you stand back from it, of course, it really grounds the facial features. Female nudes have been in art history for millennia, ultimately, but the treatment is so radically new. To see it with these kind of, you know, incredible colors and simplicity is pure Picabia. You know, this is him at his absolute best. The fact that you can see a complete sketch on the verso of this one just shows the importance that Picabia has given to this precise painting. Such a transparency has not appeared on the market since at least 20, 30 years. And this nude, there have never been such a great nude ever at auction by Picabia. So it represents a wonderful opportunity for the surrealist collectors, for modern art collectors, for contemporary art collectors. Even one masterpiece leading the surrealism and its legacy cell is a dream, but having two is something I could never have dreamed about. This is such a great moment. It's one that can't be ignored. Surrealism to me is like a gateway into the subconscious, like a portal into dreams, where one can explore the deeper sides of oneself. Surreal images are about, for me, about bringing multiple dimensions into this third dimension. So I went to art college and I studied painting, and my final year I discovered photography. I didn't want to just document reality. For me, reality is a little bit boring. Since then I've been sort of chasing, like, how do I use my surreal nature in cinema or in storytelling? I use images to tell a bigger story. Surrealism covers a big spectrum of mediums. You get artists like Eve Klein, who makes images in motion by using a body covered in paint and then having that move onto a canvas. And then you get art like Hans Arp, which is more sort of collage using sculpture and paint and then collaging it together.
The works of Francis Boccabbia is very inspiring because what he does is he takes all these transparencies of moments in time and puts them together to create something that's very much in motion. So it has a very cinematic feel. And also he was using cuts and fades, which is the language of filmmakers. When you create an image, it's really interesting to play with that, to play with multiple images that make up one image, multiple moments that make up a greater moment. Le Palais de la Courtisan is an image where you see some architecture in the left-hand side of the image and he split it up with a nude depiction of his wife. In the way that Magritte uses objects and environments to the juxtaposition of things to create a new image, I always lean to that just because themes like beauty and decay, I've always put those things together. And I think it's about kind of looking at the similarities of things, and if you look deep enough in the decay, there's also beauty. In the way that Magritte is putting the nude on the right-hand side, which is soft central curves with the curves of the archways in the part of the left-hand side of the frame. Well, there's a beautiful quote, if the dream is a translation of waking life, then waking life is a translation of the dream. And there's something really beautiful about the circular motion of that, the idea that we take from our dreams, but we're living our dreams. It's like the veils are very thin in the artistic imagination where we can reach out and grab anything and bring it into the waking life. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir chez Sotheby's France à la Galerie Charpentier, où selon l'agrément numéro 2001-002 du 25 octobre 2001, nous allons procéder aujourd'hui, le mercredi 16 mars 2022, à la vente PF2266, Surrealism and its Legacy. La vente commence donc à 18h et ira du lot 1 au lot 25. Nous attirons votre attention sur nos conditions de vente et vous prions d'en prendre connaissance dans les informations acheteurs stipulées dans le catalogue et les avis affichés sur les tableaux d'information. À compter du 28 février 2022, la commission acheteur pour l'ensemble de nos catégories, à l'exception du vin, sera 25% du prix d'adjudication sur la tranche jusqu'à 700 000 euros inclus, 20% sur la tranche supérieure à 700 000 euros jusqu'à 3 200 000 euros inclus et 13,9% sur la tranche supérieure à 3 200 000 euros. Ces taux de commission sont majorés de la TVA applicable ou de toute autre taxe similaire au taux en vigueur. La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les enchères au niveau qu'elle juge approprié et peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à d'autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve. Veuillez noter que les lots 4, 5, 6, 8, 10
sont des lots premium et que seuls les clients préalablement enregistrés sont autorisés à enchérir sur ces lots. Veuillez noter que Sotheby's a reçu pour les lots 4, 5, 7, 13, 15, 18, 21, 22 et 23 une garantie et un ordre d'achat irrévocable d'un montant donné qui sera exécuté durant la vente. Dear sir, madame, we are pleased to welcome you to Sotheby's France at the Galerie Charpentier. We are based on the license number 2001-002 of the 25th of October 2001. We are to proceed today, Wednesday, 16 March, to the sale Surrealism and its Legacy. The sale starts at 6 p.m. from lot 1 to lot 25. Your attention is drawn to our condition of sale and information to buyers, which are printed in the catalogue, and the notices affixed to the information board. As from February 28, Sotheby's buyer's premiums for all categories, excluding wine, will be 25% of the Hammer price, up to and including 700,000 euros, 20% of amounts in excess of 700,000 euros, up to and including 3,200,000 euros, and 13.9% of any amounts in excess of 3,200,000 euros. These rates are exclusive of any applicable VAT. The auctioneer recommends and advance the bidding at levels and in increments she considers appropriate and is entitled to place bids on behalf of the seller up to the reserve of the lot. Please note that lots 4, 5, 6, 8, 10 are premium lots and that only clients already registered are allowed to bid on the slots. Please note that there is a guarantee and irrevocable bid on lots 4, 5, 7, 13, 15, 18, 21, 22 and 23. Which will be executed during the sale. Les lots 14 et 17 ont été retirés de la vente. Les lots seront disponibles à partir du lundi 21 mars chez Vulcan et nous recommandons aux acheteurs de prendre contact avec le département en charge de la vente pour le retrait de leurs lots. L'entreposage des lots est gratuit pour 4 semaines à compter de la date de la vente et deviendra payant au-delà de cette période. Lots 14 and 17 have been withdrawn from the sale. Lots will be available at Vulcan as of Monday 21st of March. We recommend that buyers contact the departments in order to collect their lots. Storage charges won't be applicable for 4 weeks after the sales date. However, they will apply after that date. Et ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer la vente avec le lot 1 de Jean Crotty, Nouvelle année où la lumière revient, un très beau titre pour ce premier lot de la vente, qui est donc une œuvre de 1920. Et pour ce lot très rare de Jean Crotty, nous allons débuter les enchères à 200 000 euros. À 200 000 euros, nous commençons les enchères. 200,000 euros. À 200 000 euros, nous commençons les enchères. À 200 000. À 220 000, nous sommes déjà à 240 000. À 240 000 euros, nous sommes à 240 000. 250 000 euros, j'ai à la tribune. À 250 000 euros, et je peux vendre à 250 000 euros. 250 000 euros with my commission bid. Que dit-on au-delà de 250 000 euros ? Pour ce très beau tableau de Jean Crotty, très rare, daté de l'année 1920. À 250 000 euros, que dit-on au téléphone? Que dit-on dans la salle? À 250 000 euros, I can sell it. À 250 000 euros, est-ce que c'est bien vu? Simon, Julian? À 250 000 euros, je vais être jugé. Sur ordre, à la tribune, c'est bien vu. Pas de regret dans la salle, ce n'est pas sur Internet. À 250 000 euros, nous commençons pour le premier lot de cette vente. Je vous attends, Simon, c'est bien vu. At 250,000 euros, I'm selling, fair warning, à 250 000 euros. Adjugé, 250 000 euros au paddle numéro 37, paddle 37. Et nous poursuivons avec le lot 2 de André Masson, paysage à l'oiseau blessé, pour cette huile sur toile de 1927. Nous allons débuter les enchères à 100 000 euros, à 100 000 euros, nous débutons les enchères, à 100 000 euros. Que dit-on au-delà de 100 000 euros? À 100 000 euros, nous sommes 110 000, 120 000 déjà. À 120 000 euros, nous sommes à 120 000. Que dit-on au-delà de 120 000? 120 000 euros. À 120 000, 130 000. À 130 000, 140 000 euros, nous sommes. À 140 000 euros, nous sommes 140 000 euros. À 140 000 euros, que fait-on au-delà de 140 000 euros? À 140 000 euros. 140 000 euros, que dit-on? 150 000 euros avec vous, Olivier. Avec Olivier Faux à 150 000 euros qui tient désormais l'enchère. Je peux vendre à 150 000 euros, c'est votre enchère, Olivier. 150 000 euros with Olivier Faux. Que dit-on au-delà de 150 000 euros? Je vais adjuger au téléphone, contre la salle, contre Internet, à 150 000 euros. Est-ce que c'est bien vu? At 150 000 euros. Fair warning, last chance for this beautiful painting by André Masson. À 150 000 euros, c'est votre enchère, Olivier. À 150 000 euros, c'est bien vu.
à 150 000, pas d'enchères sur Internet. 150 000 euros, non, il ne se passe... 150 000 euros et je vous vends donc l'œuvre à Olivier à 150 000 euros. Adjugée au paddle L0035, merci beaucoup. Et nous poursuivons avec le lot 3 de cette vente, de René Magritte, le paysage fantôme, un très beau tableau très historique de 1928. Et pour ce tableau de René Magritte, nous allons débuter les enchères à 450 000 euros. 450 000 euros. À 450 000 euros, nous débutons les enchères. 450 000 euros, que dit-on ? 500 000 euros. 550 000 euros contre vous, Simon, à 550 000 euros. 600 000 euros, merci madame. 600 000, 650 000 euros, c'est contre vous, madame. Voulez-vous 700 000 ? À 700 000 euros, 700 000 euros, 700 is against you, 750, thank you, madame. At 750,000 euros, Simon, do you want to bid? 800. À 800 000 euros, l'enchère est au téléphone avec Simon Shaw. À 800 000 euros, c'est contre vous. 800 is against you, madame. À 800 000 euros, 850, merci infiniment. At 850,000 euros, it's not your bid, Simon, do you want to bid? 900. À 900 000 euros, l'enchère est maintenant au téléphone, à 900 000 euros. Next bid is 950. At 900 000 euros, 950, thank you. At 950,000 euros, it's against you, Simon. At 950 000 euros. 1 million d'euros avec Guillaume Maléco, 1 million euros. At 1 million, the bid is with Guillaume Maléco. 1 million against you, Guillaume. À 1 100 000 euros, nous sommes. 1 100 000 euros devant moi dans la salle. 115 against you, madame. À 1 150 000 euros, 12. 1 million 2 à 1 200 000 euros, l'enchère est maintenant. 1 million 2 in the auction room in Paris. À 1 200 000 euros. 1 250 000, 1 to 5. At 1 to 5, it's against you. 1 3, thank you. At 1 million 3 now. At 1 million 3 in Paris, in the auction room, against you, Simon. 1 400 000, 1 million 4. At 1 million 4, we are. 1 450, at 1 450,000 euros. 1 450 000, et c'est contre votre enchère, Simon. Vous vous arrêtez là, à 1 450 000, c'est votre enchère, madame. Guillaume, que fait-on ? Vous êtes sûr ? 1 450 000 euros dans la salle. Je vous attends à 1 450 000 euros. 1 450,000 euros against you, Guillaume. Last chance. 1 450 000 euros, c'est bien avec vous, madame. C'est dans la salle. Est-ce que c'est bien vu ? Que dit-on au téléphone ? Simon, shall I wait for you ? À 1 450 000 euros, c'est votre enchère. C'est bien vu. Pas d'autres enchères dans la salle. Personne sur Internet. At 1 450,000 euros, I'm selling now. Last chance. 1 450 000 euros. Et j'adjuge donc à 1 500 000. 1 million 5 online. At 1 500 000. 1 million 55. 1 550 000 euros dans la salle. À 1 550 000 euros, nous sommes. Do you want to bid? Next bid is 1 6. It's not your bid online. 1 million 6. 1 million 6 online. At 1 million 6, the bid is against you, madame. À 1 600 000 euros, l'enchère est sur Internet. 165, 1 650 000 euros, et c'est dans la salle, c'est contre vous sur Internet. Do you want to bid online? Next bid is 17. 17, thank you. At 1 700 against you. 1 750 000, 1 750 000 euros in the auction room. À 1 750 000 contre vous sur Internet, les enchères continuent. À 1 750 000, l'enchère est devant moi, ce n'est plus vous sur Internet. À 1 750 000 euros, est-ce que c'est bien vu ? Last chance for the online bidder, I will sell it in the auction room against you online at 1 750 000 euros. Fair warning, est-ce que c'est bien vu ? À 1 750 000 euros, ce n'est plus vous non plus, Simon. 1 750 000 euros, c'est devant moi, c'est dans la salle. C'est bien vu, 1 750 000 euros, I'm selling now. Adjugé au paddle 44, merci infiniment de vos enchères, madame. Et nous poursuivons avec le lot 4. Hans Arp, lot élu de l'oiseau. Pour cette œuvre, nous allons débuter les enchères à 2 200 000 euros. À 2 200 000 euros, nous débutons les enchères. 2 million 2 à 2 200 000 euros. 2 300 000 euros, nous sommes déjà. À 2 300 000, 2 500 000, 2 600 000 euros déjà. À 2 600 000 euros, nous sommes.
2 800 000 euros avec vous, Thomas. À 2 800 000 euros, l'enchère est avec Thomas Bompard maintenant. À 2 800 000 with Thomas Bompard. À 2 800 000 euros, l'enchère est avec vous, Thomas. Je peux vendre à 2 800 000 euros. À 2 800 000, est-ce que c'est bien vu? À 2 800 000 euros. 2 800 000 euros. À 2 800 000 euros, c'est votre enchère, que dit-on? Sur Internet, dans la salle, à 2 800 000 euros. Et Tsiobé, Thomas, à 2 800 000 euros, je vous attends. À 2 800 000 euros, que dit-on? À 2 800 000, the bid is already taken by Thomas. Do you want to bid, Simon? 2 800 000 euros, c'est votre enchère. À 2 800 000 euros, est-ce que c'est bien vu? Ce n'est pas dans la salle. À 2 800 000 euros, c'est bien vu sur Internet. I will sell it at 2 800 000 euros. Last chance, I'm selling now with you, Thomas. À 2 800 000 euros, je vends 2 800 000. Adjugé au paddle L0027. Merci infiniment. Et nous passons maintenant au lot 5 de la vente. La magnifique transparence de Francis Picabia, Pavonia, que vous voyez derrière vous dans la salle. Veuillez noter que cette œuvre a fait l'objet d'ailleurs d'une demande de prêt pour l'exposition « Un effort moderne, Léonce Rosenberg et les avant-gardes » qui se tiendra au musée Picasso début 2024. Please note that this work is the subject of a loan request for the exhibition « Un effort moderne, Léonce Rosenberg et les avant-gardes » to be held at the musée Picasso in early 2024. Et ceci étant précisé, nous allons commencer les enchères pour cette magnifique transparence à 4 900 000 euros. À 4 900 000 euros, nous en débutons les enchères. À 4 900 000 euros, que dit-on au-delà de 4 900 000 euros? 5 millions, bien sûr. À 5 millions, nous sommes. À 5 millions 200 000 euros déjà. À 5 200 000. 5 400 000 euros avec vous, Thomas. À 5 400 000 euros, l'enchère est avec vous, Thomas. À 5 400 000 euros, nous sommes. À 5 400 000. 5 600 000 avec Elena Newman, qui était la première. 5 600 000 with you, Elena. At 5 600 000. Simon. 5 800 000, thank you. À 5 800 000 euros, nous sommes. À 5 800 000 euros. 6 million, thank you, Elena. With Elena Newman at 6 million euros. À 6 millions, c'est votre enchère, Elena. Simon, Thomas, voulez-vous enchérir? At 6 million. À 6 millions, c'est Elena Newman qui tient l'enchère. Que fait-on? 6 million too, thank you. À 6 200 000 euros, nous sommes avec Claudia. 6.5. At 6.5 with you, Stefano. 6 500 000 euros. À 6 500 000 euros. 6.8. At 6.8 with Elena Newman. 6 800 000 euros, nous sommes. À 6 800 000, que dit-on, Stefano? À 6 800 000, 7 millions, merci beaucoup. At 7 million euros with Stefano Moreni. À 7 millions d'euros, nous sommes. 7 millions 2. À 7 millions 2, nous sommes. 7 million 2. À 7 200 000 euros, c'est votre enchère, Elena. À 7 200 000 euros, Stefano, que fait-on? 7.5, thank you, Stefano. At 7.5, we are with Stefano Moreni. At 7.5. 7.6 with Helena Newman. At 7.6, we are. 7 600 000 euros, et c'est avec Helena Newman au téléphone. À 7 600 000 euros. Stefano, Claudia, que fait-on? À 7 600 000 euros, nous sommes. 7 700 000 euros. À 7 700 000 euros. À 7 700 000 euros. 7.8, à 7 800 000 euros. 7.8 with Helena Newman. Claudia, do you want to bid? 7.9. À 7 900 000 euros, nous sommes maintenant. La prochaine est à 8 millions. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros avec Helena Newman au téléphone. À 8 millions d'euros, nous sommes. Claudia, do you want to bid? À 8 millions d'euros, c'est Helena qui tient l'enchère. Stefano, Helena, Claudia. À 8 millions d'euros, nous sommes. 8 millions 100 at 1 million 1. 1 million 1 against you, Helena. 1 million 1, we are. À 8 millions 100 000 euros, c'est désormais Claudia Dweck qui tient l'enchère. €8 100 000, nous sommes. À 8 100 000. Elena, que fait-on? Stefano, do you want to bid? I'm waiting for you. €8 150 000.
Do you want A2, Claudia? €8,200,000. I'm sorry. At 8-2, it's Claudia's bid. €8,200,000. C'est contre vous, Stefano, et c'est contre vous, Elena. À €8,200,000, c'est toujours avec Claudia Douek au téléphone. À €8,200,000. €8,200,000, c'est votre enchère, Claudia. J'attends vos camarades. Non, vous arrêtez là. Merci, Elena. Stefano, do you want to bid? €8,250,000, bien sûr. À €8,250,000. €8,250,000, c'est avec vous, Stefano? Claudia. Voulez-vous dire 8-3? €8,300,000. €8,300,000, c'est contre vous, Stefano. At €8,300,000, against you, Stefano. At €8,300,000, we are. €8,300,000, c'est contre votre enchère. €8,350,000. €8,350,000. €8,400,000. €8,400,000. €8,400,000. €8,450,000. €8,450,000. €8,450,000 with Stefano Morini on the phone. Yes, it's your bid. At 450, it's with Stefano. No, it's Stefano against you at 450. Do you want 8-5? 8,500,000 €. Merci beaucoup, Claudia. À 8,500,000 €, nous sommes. 8,500,000 against you, Stefano. At €8,500,000. Vous arrêtez là? Vous êtes sûr? 8,500,000 €. C'est Claudia désormais qui tient l'enchère. Last chance at €8,500,000. Fair warning. Stefano, dites-moi un oui ou un non. C'est un non définitif. Merci infiniment à votre enchérisseur pour ses enchères. À 8,500,000 €, je vais être jugée avec vous, Claudia. C'est bien vu. Pas d'autres enchères dans la salle. C'est bien vu. À 8,500,000 €, j'adjuge. À 8,500,000 €, c'est maintenant. Adjugée au paddle L0038. Merci beaucoup. Et nous poursuivons avec le lot 6 de René Magritte, le palais de la courtisane. Un très rare tableau de René Magritte qui a appartenu au poète Joué Bousquet, immense collectionneur de surréalisme. Et nous allons débuter les enchères pour ce tableau à €1,300,000. À €1,300,000, nous débutons les enchères. €1,300,000. À €1,300,000, que dit-on? €1,300,000, que fait-on? €1,400,000. €1,500,000 contre vous. À €1,500,000. €1,600,000 avec vous, Virginie. Avec Virginie de Villers, à €1,600,000. €1,600,000. Je peux vendre à €1,600,000. Que dit-on au-delà de €1,600,000? €1,600,000 with Virginie on the phone. At €1,600,000. Que dit-on au téléphone, dans la salle, sur Internet? Est-ce que c'est bien vu à €1,600,000? The bid is with Virginie de Villers on the phone. Are we all done? At €1,600,000, je vais vendre à €1,600,000. Est-ce que c'est bien vu? €1,600,000. Fair warning, last chance with Virginie de Villers on the phone. At €1,600,000. C'est bien vu à €1,600,000. J'adjuge donc à €1,600,000. Adjugé au paddle L0046. Merci infiniment. Nous poursuivons avec le lot 7 de Max Ernst, Mur devant le soleil. Et pour cette œuvre de Max Ernst, emblématique, nous allons débuter les enchères à
120 000 euros. À 120 000 euros, nous débutons les enchères. À 120 000 euros, que dit-on ? 130 000, 140 000 euros contre vous. À 140 000 euros, nous sommes. 150 000 euros avec vous, Juliane. À 150 000 euros, l'enchère est avec vous à 150 000 euros. À 150 000 euros, c'est votre enchère et je peux vendre à 150 000 euros. 150,000 euros with Julian Dawes. Que dit-on au-delà de 150 000 euros ? C'est votre enchère à 150 000 euros. Est-ce que c'est bien vu ? Dans la salle, sur Internet, 150 000 euros, l'enchère est avec Julian Dawes du bureau de New York. À 150 000 euros, je vais adjuger. 150,000 euros with you, Julian. I'm selling now at 150,000 euros. Adjugé au paddle L0019. Nous continuons avec le lot 8 de Francis Picabia, nu de dos. Veuillez noter que cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné actuellement en préparation par le comité Picabia. Please note that his work will be included in the forthcoming catalogue raisonné being prepared by the comité Picabia. Et ceci étant précisé, nous allons débuter les enchères à 2 200 000 euros. 2,200,000 euros. À 2,200,000 euros, nous débutons les enchères. Que dit-on ? À 2,200,000 euros. 2,700,000 euros directement avec vous, monsieur. À 2,700,000 euros. Merci beaucoup. À 2,700,000 euros in the auction room. À 2,700,000 euros. Que dit-on au-delà de 2,700,000 euros ? À 2,700,000 euros. Que dit-on au téléphone, sur Internet ? À 2,700,000 euros. The bid is here. In the auction room in Paris, que fait-on au téléphone ? À 2,700,000 euros. À 2,700,000 we are. I can sell it in the auction room. À 2,700,000. À 2,700,000 euros, est-ce que c'est bien vu ? Je peux vendre devant moi dans la salle des ventes. À 2,700,000 euros, pas d'autre enchère dans la salle. À 2,700,000, que dit-on au téléphone ? À 2,700,000 euros, vous arrêtez là ? À 2,700,000 we are in the auction room. Je vais adjuger devant moi. C'est bien vu. Thank you very much. Et je vends donc dans la salle à 2,700,000 euros. C'est bien vu. Pas de regrets, pas sur Internet. À 2,700,000 euros, j'adjuge. Adjugé. Est-ce que vous avez un numéro de paddle, monsieur ? Oh, paddle numéro 40. Merci infiniment de vos enchères. Et nous restons avec Picabia pour le lot 9. Ce tableau de 1943-44 qui va également être inclus dans le catalogue raisonné de Francis Picabia. Et nous allons débuter les enchères à 200 000 euros, 200,000 euros. À 200 000 euros, nous débutons les enchères. Et nous sommes déjà à 220 000, 240 000, nous sommes. À 240 000 euros, nous sommes 240,000 euros. À 240 000 euros, que dit-on ? À 240 000 euros, nous sommes. C'est contre vous. À 240 000 euros, que dit-on ? 240,000 euros. À 240 000 euros, que dit-on ? Sur Internet, ou dans la salle, ou au téléphone ? 250,000 euros. À 250 000 euros, nous sommes. C'est avec vous, au téléphone, à 250 000 euros. À 250 000 euros, est-ce que c'est bien vu ? Stéphano, voulez-vous enchérir ? Non ? À 250 000 euros, c'est votre enchère, Étienne. À 250 000 euros, que disent les autres téléphones ? C'est bien vu ? À 250 000 euros, I can sell it at 250 000 euros. Last chance, I'm selling now, with Étienne Hellman on the phone. À 250 000 euros, pas de nouvelle enchère en salle. À 250 000 euros, je vends donc. Fair warning. Adjugé 250 000 euros au L0032. Merci beaucoup, Étienne. Nous poursuivons avec le lot 10 de Vifray de Lame, La lumière de la jungle, très grande œuvre de 1944. Et nous allons débuter les enchères pour ce lot à 1 500 000 euros. 1,500,000 euros. À 1 500 000 euros. Que dit-on au-delà de 1 500 000 euros ? 1 500 000 euros, 1 600 000 euros, merci, 1 700 000 euros. À 1 700 000 euros, nous sommes déjà. 1,700,000. À 1 700 000 euros. 1 700 000 euros pour ce très grand tableau de l'âme. 1 800 000 euros. 1 900 000 euros, nous sommes maintenant. À 1 900 000 euros. 1,900,000 we are. Que dit-on au-delà de 1 900 000 euros ? À 1 900 000 euros. 1,900,000 euros. Que dit-on au téléphone ? Au-delà de 1 900 000 euros, c'est bien vu ? At 1,900,000, we are. C'est bien vu, fair warning. At 1,900,000, 1 900 000 euros, ce n'est plus dans la salle, ce n'est pas sur Internet, c'est bien vu, à 1 900 000. Passe, et nous poursuivons avec le lot 11 de Man Ray, Bananas and Plain. Et nous allons débuter les enchères à 170 000 euros, 170,000 euros. À 170 000 euros, nous débutons les enchères à 170
70 000 euros, nous sommes déjà à 180, 190 000 euros. 190 000 euros, 200. À 200 000 euros, we are. À 220 000 euros même. À 220 000 euros, nous sommes déjà. À 220 000 euros, 220 000 euros. À 220 000 euros, que dit-on au-delà de 200 240 000 euros avec Fergus. À 240 000 euros, c'est votre enchère, Fergus. With Fergus Duff, at 240 000 euros. À 240 000 euros, l'enchère est au téléphone avec vous. À 240 000 euros, que dit-on dans la salle? Est-ce que c'est bien vu? À 240 000 euros, je vais vendre au téléphone avec Fergus. À 240 000 euros, pas de regret. Et j'adjuge donc à 240 000 euros avec vous, c'est votre enchère, à 240 000 euros. Adjugé au paddle L0028, merci infiniment. Lot 12 de Léonore Fini, ce sphinx pour David Barrett. Et pour cette œuvre de 1954 que vous voyez sur l'écran ici, nous allons débuter les enchères à 38 000 euros, 38 000 euros, à 38 000 euros, 40 000 euros, merci beaucoup monsieur, 40 000, 42 000 euros, nous sommes déjà à 42 000 euros, à 42 000 euros, voulez-vous enchérir? À 42 000 euros, c'est contre vous. Merci beaucoup, 45 000 euros, nous sommes 48 000 contre vous, Fergus. À 48 000 euros, nous sommes à 48 000 euros, against you, Fergus, against you, Julian. 50 000 euros avec vous, Fergus, 50 000 euros with Fergus Duff. At 50 000 euros, it's your bid. À 50 000 euros, l'enchère est avec Fergus. Est-ce que c'est bien vu? Ce n'est pas sur Internet. 55 000 euros. À 55 000 euros, c'est l'enchère de Mario maintenant. Mario Tavella au téléphone à 55 000 euros. 55 000 euros against you, Fergus. À 55 000 euros, ce n'est plus vous. Voulez-vous enchérir? At 55, it's against you. À 55 000 euros, je vous attends. À 55 000 euros, nous sommes. The bid is with Mario Tavella against you. 60 000 euros avec Julian Dawes at 60 000 euros. Mario, do you want to bid? 65, 65 000 euros. At 65, it's not your bid, Julian. 65 000 euros we are. At 65, it's against you. It's against you, Fergus. 70 000 euros, thank you. At 70 000 euros, it's against you, Mario. À 70 000 euros, l'enchère est avec Fergus, contre vous, à 70 000 euros, nous sommes. À 70 000. À 70 000, est-ce que c'est bien vu? Jolie. Je vous laisse rappeler votre client, vous avez perdu votre ligne. 75 000 euros, merci beaucoup, monsieur. À 75 000 euros, c'est dans la salle, c'est contre tous les téléphones. 75 000 euros, au fond de la salle, à 75 000 euros. Jolie. 80 000 euros, 80 000 euros. 80 000 euros, c'est contre vous, monsieur. 85 000 euros, c'est une enchère? 85 000, merci beaucoup. À 85 000 euros, 85 000 euros, against you, Fergus. À 85 000 euros, nous sommes, c'est dans la salle. At 85, do you want to bid? 85 000 euros, l'enchère est dans la salle, contre vous tous au téléphone. À 85 000, est-ce que c'est bien vu? At 85 000 euros, 90 000 euros, à 90 000 euros. Merci beaucoup de vos enchères. Nous sommes donc au téléphone à 90 000 euros. Est-ce que c'est bien vu au-delà de 90 000 euros? Julian, Simon, do you want to bid? At 90 000 euros, it's your bid. Mario, est-ce que vous avez réussi à joindre votre enchérisseur? Nous n'allons pas pouvoir attendre plus longtemps. À 90 000 euros, do you want to bid, Julian? I need a sign. 95 000 euros, thank you. À 95 000 euros, nous sommes. Voulez-vous enchérir? At 95, we are. Non, vous arrêtez là? 95 is your bid, Julian. Guillaume, Simon, do you want to bid? No. Guillaume Maleko, are you still on it? No. 95 000 euros, c'est donc votre enchère, Julian. Je vous attends, Mario, j'ai vu votre geste. J'ai besoin d'une réponse. À 95 000 euros, nous sommes. Merci. Nous restons avec vous, Julian. Thank you for your patience. Vous hésitez encore, monsieur. Je vous attends. À 95 000 euros, we are still with Julian Dawes. Non? Merci beaucoup. À 95 000 euros, c'est votre enchère, Julian. Et j'adjuge donc à 95 000 euros. C'est bien vu. Adjugé au paddle L0019, merci beaucoup.
Et nous poursuivons avec le lot 13 de Dorothea Tanning, Mêlée nocturne. Et veuillez noter que la nouvelle estimation de ce lot est de 350 à 500 000 euros. Please note that the new estimate of the lot is 350,000 euros to 500,000 euros. Et nous allons débuter donc les enchères à 280 000 euros. À 280 000 euros, nous sommes. 350 000 euros avec vous, Étienne. À 350 000 euros, nous sommes déjà à 350,000 euros with Étienne Hellmann. And I can sell it at 350,000 euros. 380 000 euros with Simon Shaw, who was the first one. À 380 000 euros, c'est votre enchère, Simon. At 380,000 euros. Do you want to bid, Julian? Next bid is 400. 400 is already taken online, I'm sorry. À 400 000 euros, l'enchère est sur Internet. À 400 000 euros, nous sommes. At 400,000 euros. À 400 000 euros, Simon, Étienne, do you want to bid? Thank you for your bidding. À 400 000 euros, l'enchère est sur Internet, contre vous tous au téléphone. Je vous attends, Simon. 420 000, merci beaucoup. At 420,000 euros. À 420 000 euros, ce n'est pas votre enchère, Simon Stock. À 420 000 euros, it's not your bid online. À 420 000 euros, c'est avec vous. Que dit-on sur Internet? À 420 000 euros, nous sommes. À 420 000 euros, est-ce que c'est bien vu? 420 000 euros avec Simon Shaw. Simon, do you want to bid? 450 000. 450 000 is with Simon Stock. It's not online. À 450 000 euros, nous sommes. It's your bid, Simon. À 450 000 euros, l'enchère de Simon était avant. 450 000 euros, it's your bid. Do you want to bid online? À 450 000 euros, nous sommes. 450,000 euros is against you online. À 450 000 euros, c'est votre enchère, Simon. Vous arrêtez là? Merci beaucoup. À 450 000 euros, nous sommes. Julian, what do you want to do? 450 000 euros avec Simon Stock du bureau de Londres. À 450 000 euros, je vous attends, Julian. Est-ce que, Julian, pouvons-nous avoir une réponse? It's a no? 450 000 euros avec Simon Stock. Last chance for the online bidder at 450,000 euros. It's not anymore your bid. I will sell it now with a phone bidding at 450,000 euros. Last chance. C'est bien vu. 450 000 euros. Adjugé au paddle L0029. Merci infiniment. Le lot 14 a été retiré et nous poursuivons donc la vente avec le lot 15 de Yves Klein, l'anthropométrie sans titre, entre numéro 20, et nous allons débuter les enchères à 1 million d'euros directement. À 1 million d'euros, nous débutons les enchères. 1 million euros. À 1 million d'euros, nous débutons les enchères. 1 million 100, 1 million 200, nous sommes déjà. À 1 million 200 000 euros. 1 million 200 000 euros, nous sommes. 1 million 300 000, 1 million 400 000 euros, nous sommes. 1 million 500 000 euros, merci Thomas. À 1 million 500 000 euros avec Thomas Bompard. À 1 million 500 000 euros, nous sommes. 1 million 5 with Thomas Bompard. Que dit-on au-delà de 1 500 000 euros? Je peux vendre à 1 5 000. Que dit-on au-delà de 1 5 000? 1 500 000 euros with Thomas Bompard. Est-ce que c'est bien vu? À 1 500 000 euros, je peux adjuger. Que dit-on au téléphone? 1 5 000 with Thomas on the phone bench. 1 6 000, thank you. 1 600 000 euros dans la salle. À 1 600 000 euros. Thomas, voulez-vous enchérir? 1 6 000, it is in the auction room. À 1 600 000 euros, c'est bien vu. C'est dans la salle, ce n'est pas sur Internet. Pas d'autre téléphone? Are we all done? At 1 600 000 euros, I'm selling now. 1 600 000 euros, c'est votre enchère, monsieur, merci infiniment. À 1 600 000 euros, je vais adjuger. À 1 600 000, et j'adjuge dans la salle à 1 6 000. Adjugé, 1 6 000 au paddle 54. Merci de vos enchères, monsieur. Et nous poursuivons avec le lot 16 de Simon Taille. Pour cette œuvre de 1963 que vous voyez ici sur l'écran, nous allons débuter les enchères à 220 000 euros. À 220 000 euros, nous débutons les enchères. À 220 000, 220 000 euros. À 220 000 euros, que dit-on? 240 000, 260 000 euros, nous sommes. À 280 000 euros avec vous, Fergus. À 280 000 euros. À 280 000 euros, l'enchère est avec Fergus Duff. À 280 000 euros. Est-ce que c'est bien vu? À 280 000 euros, y a-t-il d'autres enchères au-delà de 280 000 euros? C'est Fergus au téléphone qui tient l'enchère désormais. Que dit-on dans la salle? At 280,000 euros, I can sell it. Last chance for the online bidder or the auction room. C'est bien vu. À 280 000 euros, je vais adjuger avec vous, Fergus. À 280 000 euros, last chance. I'm selling now.
adjugée au paddle L0006. Merci beaucoup, Fergus. L'eau 18 de Lucio Fontana, Concerto Spaziale. Et pour cette œuvre exécutée en 1965, nous allons débuter les enchères à 750 000 euros. À 750 000 euros, nous débutons les enchères. À 750 000 euros. 750 000 euros, que dit-on ? 800 000 euros. 850 000 euros, nous sommes déjà. 900 000 euros. 950 000 euros contre vous, Guillaume. À 950 000 euros, nous sommes. À 900 000 euros, pardon. 900 000 euros avec vous, Guillaume. À 900 000 euros, nous sommes. À 900 000 euros. À 900 000 euros, que dit-on au-delà de 900 000 euros ? 1 million avec vous, Claudia. At 1 million, do you want to bid, Guillaume ? At 1 million, the bid is with Claudia. 1 million d'euros, c'est votre enchère, Claudia. À 1 million, Guillaume, que fait-on ? Vous êtes sûr ? 1 million d'euros avec Claudia Dweck. À 1 million d'euros, que dit-on dans la salle ? 1 million d'euros, 1 million euros with Claudia. At 1 million, are we all done in the auction room ? Est-ce que c'est bien vu en salle ? À 1 million d'euros, l'enchère est avec vous, Claudia. Ce n'est plus avec vous, Guillaume. Est-ce que c'est bien vu ? Thomas, Stefano ? You're out. À 1 million d'euros, c'est votre enchère. Et je vais donc adjuger à 1 million d'euros. 1 million. Adjugé au paddle L0037. Merci beaucoup. Et nous poursuivons avec le lot 19 de Marie Boermeister, No More Painting. Et pour cette œuvre de 1965, comme l'œuvre de Fontana, nous allons débuter les enchères à 20 000 euros. À 20 000 euros, nous débutons les enchères à 20 000 euros. À 20 000, et nous sommes déjà à 22 000, 24 000. À 24 000 euros, nous sommes à 24 000 euros. 24 000 euros. 24 000 euros, 26 000 euros, nous sommes déjà à 26 000, 28 000. À 28 000 euros, nous sommes à 28 000, 28 000 euros. Que dit-on au-delà de 28 000 euros ? À 28 000 euros, nous sommes à 28 000 euros. 30 000 euros avec Joël Coups. À 30 000 euros, nous sommes à 30 000 euros. Est-ce que c'est bien vu à 30 000 euros ? C'est vous, Joël, qui tenez l'enchère. Ce n'est pas sur Internet. À 30 000 euros, que disent les autres téléphones ? L'enchère est détenue par Joël, contre vous tous, à 30 000 euros. Do you want to bid ? No ? We stay with you, Joël, à 30 000 euros. C'est bien vu en salle, pas de regret. Je vais adjuger à 30 000 euros avec Joël Coupe au téléphone. 30 000 euros. 30 000 euros. 32 000 euros. Merci beaucoup, Julianne. With Julianne Dawes, at 32 000 euros. À 32 000 euros. 35. À 35 000 euros contre vous, Julianne. At 35 000 euros. Do you want to bid ? À 35 000 euros, il y a un problème d'Internet. The bid is at 35. 35 000 euros, 38, thank you. At 38 000 euros. À 38 000 euros, c'est contre vous, Joël. 40 000 euros. At 40 000 euros now. À 40 000 euros avec Joël Coupes, contre vous, Julianne. Voulez-vous enchérir ? At 40 000 euros, the bid is with Joël, against you. 45 000 euros at 45 000 euros. At 45 against you, Joël. Do you want to bid? €45 000, l'enchère est avec Julianne Dawes. Contre vous, Joël. Est-ce que c'est bien vu? Pas dans la salle. À 45 000 euros, 48, thank you. At 48 000 euros now. €50 000, à 50 000 euros. À 50 000 euros, avec Julianne. Contre vous, Joël. Do you want to bid? À 50 000 euros, l'enchère est au premier rang des téléphones. Non, vous arrêtez là? Merci beaucoup, Joël. Nous restons donc avec Julianne à 50 000 euros. Et je vais adjuger. Simon, do you want to bid? No? At 50 000 euros. I'm selling now. Last chance. No other bid in the auction room or online. À 50 000 euros, j'adjuge maintenant. Adjugé au paddle L0017. Lot 20 de Toyen, chambre secrète sans serrure. Un magnifique tableau de Toyen de 1966. Et nous allons débuter les enchères pour ce tableau à 300 000 euros. À 300 000 euros, nous débutons les enchères à 300 000 euros. Et nous sommes déjà à 320, 350, 380, 400 000 euros sur plusieurs ordres. À 400 000 euros, nous sommes 420 000 euros déjà. À 420 000 euros, 450, 400, 50 000 euros, c'est avec vous. 500 000 euros avec moi sur ordre. 500 000 euros with a commission bid. 550 with you. At 550 with Fergus Duff. À 550 000 euros au téléphone avec Fergus. 600 000 euros avec vous, Marianne. At 600 000 euros with Marianne Ginoux.
à 600 000 euros l'encharette avec Marianne. Do you want 650, Fergus? 650 already taken online at 650,000 euros. 700,000 euros à 700 000 euros avec Marianne Ginoux. Do you want to bid online? At 700, it's Marianne Ginoux's bid. À 700 000 euros, l'enchère est avec vous, Marianne. Ce n'est plus sur Internet, ce n'est pas dans la salle. Fergus, do you want to bid? 750 online. À 750 000 euros sur Internet. À 750 000 euros, l'enchère est contre vous. 800 000 euros, merci beaucoup. 800,000 euros. À 800 000 euros, 800 against you online. 850, thank you very much. At 850,000 euros. At 850, it's against you, Marianne. 900 000, merci beaucoup. À 900 000 euros, l'enchère est contre vous sur Internet. At 950, à 950 000. 950 against you. At 950, the bid is with an online bidder. 1 million euros. À 1 million d'euros, l'enchère est avec Marianne Ginoux à 1 million d'euros pour cet exceptionnel tableau de Toyen. 1 million one. 1 million one online. 1 million 100 000 euros sur Internet. Que dit-on, Marianne? At 1 million one, the bid is not anymore with you. 1 million two, thank you very much. 1 million 200 000 euros par un nouveau téléphone, merci infiniment. 1 million two, against you online. Do you want to bid? At 1 million two, it's not anymore online. Marianne, que fait-on? Voulez-vous enchérir? Nous sommes à 1 million 200 000 euros. Est-ce que c'est bien vu sur Internet? Je ne vois plus de réaction. À 1 million 200 000 euros. Are we all done at 1 200 000 euros? Est-ce que c'est bien vu? Pas d'autre enchère en salle. Ce n'est plus sur Internet. C'est votre enchère. Merci infiniment. At 1 million 2, I'm selling now against you online. Et j'adjuge donc. C'est bien vu à 1 200 000 euros. 1 million 2. Adjugé au paddle L0003. Merci infiniment. Et nous poursuivons la vente avec le lot 21 de René Magritte, Le Bon Temps. Et pour ce collage et cette aquarelle de 1966, nous allons débuter les enchères à 750 000 euros. À 750 000 euros, nous débutons les enchères. 750 000 euros, 800 000, 850 000 euros, nous sommes déjà. À 850 000 euros, nous sommes 900 000 euros. À 900 000 euros avec vous, Julianne. At 900,000 euros. À 900 000 euros, c'est votre enchère, Julianne. Simon, do you want to bid? À 900 000 euros, c'est l'enchère de Julianne Dawes. À 900 000 euros. 950 000 euros avec vous, Simon. At 950 with Simon Show. Julianne, do you want to bid? At 950, 1 million. At 1 million we are. At 1 million with Mario Tavella. 1 million d'euros avec Mario Tavella qui tient l'enchère contre vous deux. À 1 million d'euros nous sommes. Que fait-on? Julianne, Simon, do you want to bid? It's Mario's bid against you. 1 million d'euros, est-ce que c'est bien vu? À 1 million d'euros, c'est vous, Mario, qui tenez l'enchère. Que dit-on dans la salle? À 1 million d'euros, c'est l'enchère de Mario Tavella. 1 million d'euros. Julianne? No. Simon, do you want to bid? No. We stay with you, Mario. Est-ce que c'est bien vu? Pas d'autre enchère dans la salle. À 1 million d'euros, je vais être jugé avec vous, Mario, au téléphone. Last chance for lot 21. I'm selling now with Mario Tavella on the phone at 1 million euros. Adjugé au paddle L0034. Merci. Lot 22 de René Magritte, la Joconde, Mona Lisa. Et pour cette spectaculaire sculpture de Magritte en bronze, nous allons débuter les enchères à 1 million d'euros. 1 million euros. À 1 million d'euros, nous débutons les enchères. 1 million, nous sommes. À 1 million, 1 million 100, 1 million 200. À 1 million 200, nous sommes. 1 million 300 déjà. À 1 million 300, 1 million 400 000 euros avec vous, Thomas. At 1 million 4 with Thomas Bompard. At 1 million 4 we are. L'enchère est avec Thomas Bompard au téléphone à 1 400 000 euros. Je peux vendre à 1 400 000 euros. Que dit-on au-delà de 1 400 000 euros pour cette sculpture de Magritte? 1 400 000 euros. Que dit-on dans la salle, sur Internet? Est-ce que c'est bien vu à 1 400 000 euros? 1 4 000, nous sommes. At 1 4 000, it's against you all. À 1 400 000 euros, l'enchère est détenue par Thomas Bompard au téléphone. C'est bien vu? Personne au-delà de 1 400 000 euros, je vais être jugé à 1 4 000 avec vous, Thomas. 1 4 000, I'm selling now. Adjugé, 1 4 000 au paddle L0040, merci beaucoup. Lot 23 de Balthus, ce nu endormi, très belle œuvre, et nous allons débuter les enchères à 750 000 euros. À 750 000 euros, nous débutons les enchères, et nous sommes déjà à 800 000 euros, 800 000 euros, 850 000 euros, à 800 000 euros.
870 000 euros avec vous, Thomas, si vous voulez. À 870 000 euros. 870 000 euros. À 870 000 euros, c'est votre enchère. 870 000 euros. Que dit-on au-delà de 870 000 euros ? Je peux vendre à 870 000 avec Thomas au téléphone. Est-ce que c'est bien vu ? À 870 000 euros. Last chance. I'm selling with Thomas on the phone at 870 000 euros. Est-ce que c'est bien vu dans la salle ou sur Internet ? Je vends donc. Fair warning. I'm selling now. Adjugé au paddle L0020. Merci beaucoup, Thomas. Avant-dernier lot de la vente, nous arrivons à l'univers de Claude Lalanne avec ce pimpier. Et nous allons débuter les enchères à 28 000 euros pour ce pimpier. 28 000 euros. À 28 000 euros, nous sommes déjà à 30 000. 30 000 euros, nous sommes 32 000. À 32 000 euros, que dit-on au-delà de 32 000 euros ? À 32 000 euros. 35 000, 38 000 contre vous, Joël. À 38 000 euros, nous sommes. À 38, 40 000 euros. À 40 000 euros, c'est votre enchère, Joël. À 40 000 euros. Que dit-on au-delà de 40 000 euros avec Joël Coupe au téléphone ? À 40 000 euros, est-ce que c'est bien vu ? Que dit-on dans la salle ? À 40 000 euros, nous sommes. 42, à 42 000 avec Olivier Faux, qui était le premier à lever la main. 45, thank you, Joël. À 45 000 euros. À 45 000 euros, c'est Joël qui tient l'enchère. Olivier, voulez-vous enchérir ? À 45 000 euros, c'est toujours Joël, 48, 48 000 euros. À 48 000 euros avec vous, Olivier. À 48 000. Joël, que fait-on ? Vous arrêtez là ? 48 000 euros with Olivier Faux. Est-ce que c'est bien vu ? Simon, do you want to bid ? We are at 48 against you with Olivier Faux. 50 000 euros. À 50 000 euros, nous sommes. À 50 000, c'est contre vous, Olivier. À 50 000 euros, je peux vendre. 55 000, merci beaucoup. 55 000. 52, si vous voulez. À 52 000 euros. 52 against you, Simon. 55, merci beaucoup. At 55, we are now. At 55 000 euros, with Simon Stock on the phone. Que fait-on, Olivier ? À 55 000 euros, l'enchère est avec Simon Stock. C'est contre vous. Et j'ai besoin d'une réponse. Vous arrêtez là ? À 55 000 euros, c'est votre enchère, Simon. I'm selling now. No regret, Olivier. 55 000 euros donc, nous restons. C'est bien vu, dans la salle, pas d'enchère sur Internet. At 55 000 euros, I'm selling now. At 55. Adjugé au paddle L0029. Et nous arrivons au dernier lot de cette vente, la pomme de jardin de Claude Lalanne. Magnifique objet. Et nous allons, qui est donc numéroté 4 sur 8A, et nous allons commencer les enchères à 200 000 euros pour cette très belle pomme, à 200 000 euros, à 200 000 euros, à 200 000, et nous sommes déjà à 220 000, 240 000, à 240 000 euros nous sommes. À 240 000 euros, que dit-on au-delà de 240 000 euros ? À 240 000 euros pour cette pomme spectaculaire, 240 000 euros, à 240 000 euros. 240 000, 260 000 euros avec Claudia Direc, 280 000 euros contre vous, à 280 000 euros against you, à 280 000 euros, l'enchère est contre vous, Claudia. À 280 000 euros, nous sommes 300 000 euros avec vous, Claudia. À 300 000 euros, l'enchère est avec Claudia Dweck. À 300 000 euros, que dit-on au-delà de 300 000 euros ? 300 000 euros with you, Claudia. Simon, do you want to bid ? We are 300 against you. À 300 000 euros, est-ce que c'est bien vu ? Je vous attends, Mario. 320 000, merci, Simon. À 320 000 euros against you, Claudia. 300. Nous sommes déjà à 320 000 euros avec Simon. 350 000, merci Claudia. À 350 000 euros. À 350 000 euros, nous sommes 350 000 euros. À 350 000 euros, c'est l'enchère de Claudia. Simon, que fait-on ? 380, of course, at 380 000 euros, à 380 000 euros, 400 000 euros avec Claudia, à 400 000 euros maintenant, nous sommes avec Claudia Dweck au téléphone, à 400 000 euros. Mario, voulez-vous enchérir ? À 400 000 euros, l'enchère est désapprise avec Claudia. 420 000, at 420 000 euros. À 420 000 euros, nous sommes. 450 000, 450 000 euros now. À 450 000 euros. À 450 000 euros. Simon, do you want to come back?
à 450 000 euros. C'est votre enchère, Claudia. Que fait-on, Mario? J'ai besoin d'une réponse. À 450 000 euros, c'est votre enchère, merci de votre patience. À 450 000 euros, nous sommes. 480 000 euros, ça valait le coup d'attendre. Thank you, Simon. À 480 000 euros, nous sommes. 500 000 euros, 500 000 euros. À 500 000 euros avec vous, Claudia. À 500 000 euros. À 500 000 euros. À 500 000 euros, est-ce que c'est bien vu dans la salle? Pas d'enchère. À 500 000 euros, nous sommes avec Claudia Dweck. Simon, another bid? 550, merci beaucoup. À 550 000 euros, nous sommes. 520 000. À 520 000 euros, nous sommes. At 520 000 euros. Merci, Claudia. À 550 000 euros. 550 000 euros. À 550 000. À 550 000 euros. 580. 580 euros. At 580 euros, it's Simon's bid. Claudia, que fait-on? 600 000 euros, merci beaucoup. À 600 000 euros, avec Claudia Dieck toujours. À 600 000 euros. 620 000, à 620 000, 620 000 euros. 650, merci. À 650 000 euros, l'enchère est maintenant avec 680. 680, les enchères s'accélèrent à 680 000 avec Simon. At 680 000 euros. À 680, avec Simon, contre vous, Claudia, contre vous, Mario. Que fait-on, Claudia? À 680, je peux vendre avec vous, Simon. 690 000. Voulez-vous arrondir à 700 000, Simon? 700 000, merci beaucoup. À 700 000 euros, c'est votre enchère. À 700 000 euros. À 700 000 euros. Claudia, est-ce que vous voulez continuer? Merci beaucoup de vos enchères, en tout cas. À 700 000 euros, c'est avec vous, Simon. 700 000 euros. Mario, do you have a regret? No? At 700 000 euros, it's your bid. Last chance, no other bid for this apple by Lalan. I'm selling now at 700,000 euros. Adjugé au paddle L0029. La vente est maintenant terminée. Et je vous remercie tous de votre patience.